Eh bien bonjour, on se retrouve pour la suite du précédent tuto, mais là cette fois-ci je vais vous faire voir comment convertir vos pouvoirs perdus convertibles. Alors pour ça déjà il va falloir accepter cette quête-là qui vous permet justement, enfin toujours dans le but de dépenser moins de d'orp, parce qu'il va falloir nous téléporter ici. Alors on va regarder vite fait combien ça coûte. Alors, normalement c'est pareil. Alors, voilà, 6 pièces d'or. Enfin, non, c'est 5 pièces d'or, valet des esprits, je crois. Et du coup, avec ce parchemin-là, cette quête-là, bah, ça va vous donner. Bon, là, c'est l'or, mais en premier niveau, vous avez l'argent qui va vous téléporter de l'autre côté. Bon, là, déjà, c'est parti. Départ vers le temple de la prairie. Alors, vous voyez, normalement, vous allez apparaître ici avec l'argentan. Mais là, du coup, on apparaît ici directement, et puis bah, vous avez directement le PNJ, c'est encore plus rapide, vous parlez au PNJ. Et là, vous allez pouvoir, déjà en premier temps, j'ai pas expliqué dans le précédent tuto, mais vous allez pouvoir convertir ces pouvoirs éteints dans la réputation pour justement. C'est le paradis perdu. Alors normalement ça devrait apparaître, je sais plus dans quel côté. Bon, alors on va tester, mais non, moi je suis full alors. Bon. Alors désolé, mais vous n'avez pas assez de pouvoir être inconvertible. Ouais, bon. Donc voilà. Alors ici, sinon pour cela, c'est la réputation de Caslow. Il y a plusieurs. Donnez Bénite, non. Non, ça n'a rien à voir. Du coup, là, vous pouvez monter les réputations des villes. Alors, il y a Caslo, il y a énormément. Normalement, vous pouvez donner. Je sais plus pourquoi éteint convertible. Pouvoir éteint convertible. Oh, parce que c'est peut-être parce que je suis full. Assurez-vous. Ouais, voilà, les Geo Max. Alors, je peux pas. Alors, normalement, je crois que par contre, ça va marcher pour Caslo. Alors. Voilà. Alors, plus 10 points de réputation, Caslow. Alors, je vais vous mettre, je vais pas faire tous les PNJ, mais je vous mettre la description. Enfin, je vais vous faire une petite image, vous allez voir les coordonnées et tout. Alors, normalement, il y a un PNJ ici. Après, il y a un autre PNJ par ici. Je sais plus, je connais pas trop les coordonnées. Là, je sais pas trop, mais. Enfin, il y a deux PNJ à chaque fois pour les villes. Alors, ça vous permet de monter la réputation des villes. Bon, comme vous avez pu voir, je suis déjà full partout. Bon, le casino de Mankoya, je le fais pas parce que ça dépense de l'argent. Du coup, normalement, les terres d'Elsa. Justement, je crois que c'est ici. Et pour ça, non, c'est la compagnie d'Océan. À vrai dire, j'ai même plus trop. Bon, en tout cas, voilà pour cette suite de tuto. Bon, bah, sinon, il n'y a plus rien. Allez, bye.